Mesdames, Messieurs, la brève cérémonie à laquelle vous avez été conviés devait de toute façon avoir lieu aujourd'hui. On peut dire que la date en a été fixée il y a même plus de 4 ans, puisqu'il fallait bien que le drapeau officiel olympique soit rendu au président du comité international au cours de la cérémonie d'inauguration des Jeux de la 22e Olympiade, inauguration fixée depuis longtemps au samedi 19 juillet 1980. Même si plusieurs des principaux acteurs d'hier se retrouvent aujourd'hui, les circonstances exigent toutefois que les rôles ne soient pas les mêmes. Le 17 juillet 1976, il y a donc exactement 4 ans, et à la même heure, une toute jeune fille et un tout jeune homme offraient au monde une manifestation d'unité humaine jamais vue encore à l'ouverture des Jeux olympiques antérieurement à la tenue des Jeux de Montréal. Ils entraient et couraient dans le stade sous les yeux avides et humide de plus d'un milliard de spectateurs et de téléspectateurs, portant bien haut, ensemble, la flamme olympienne qu'ils avaient mission de communiquer à un flambeau, à la fois simple et majestueux, préparé pour la recevoir. Ces jeunes porteurs, alors âgés de 14 et 15 ans, recevront dans un moment le drapeau olympique qu'ils ont accepté d'aller remettre à celui qui me l'avait confié, le président du comité international, Lord Killannon. Il convient d'évoquer ici que cette flamme, tenue par 2 jeunes mains au bout de 2 jeunes bras, et qui courait ainsi dans le stade, n'en était pas à sa première surprise. Surgit des rayons du soleil lui-même, à Olympie, suivant la tradition, elle avait cependant atteint le Canada, non pas en traversant les mers et après des semaines de voyage, mais en empruntant pour la première fois de son histoire la voie spatiale, grâce à un satellite international, et se communiquait à elle-même instantanément depuis Athènes jusqu'à Ottawa. Cette grande première, cette performance extraordinaire de la technique de notre temps, si brillamment réussie, ne manquait pas de fasciner ses innombrables témoins et même ses propres auteurs. Pourtant, c'est la réunion, j'allais dire, de 2 enfants, c'est la jonction de leurs mains en un même support de cette flamme mouvante dans le stade
qui aura constitué l'illustration la plus puissante du rôle si profondément humanisme d'un olympisme qui a toujours été orienté vers l'avenir. La révélation des secrets et du potentiel de l'espace comble sans doute l'esprit des humains, mais la grande scène de Sandra et Stéphane, dans un stade rempli de monde et d'émotions, aura imprimé au cœur de tous les témoins des vibrations qui ne se sont jamais éteintes, des vibrations que le seul souvenir ou la moindre évocation ranimeront toujours avec une certaine nostalgie. Aujourd'hui, 17 juillet 1980, Sandra et Stéphane rempliront un nouveau rôle. Dans un moment, je les inviterai à monter les marches de cet escalier qui conduit au drapeau olympique suspendu à un mur du hall d'honneur de l'Hôtel de Ville depuis 4 ans. Ils enlèveront ce drapeau officiel, le descendront, l'envelopperont des meilleurs soins et l'apporteront avec eux. À titre de représentant de la Ville de Montréal, ils le remettront samedi prochain, dans 2 jours, au président du Comité international, conformément à l'article 64 de la Charte olympique. Ainsi, prendra fin l'Olympiade montréalaise. Le drapeau officiel poursuivra sa mission dans le monde, d'une Olympiade à l'autre. Je veux remercier Sandra et Stéphane d'avoir accepté ce mandat. À deux, ils personnifient la volonté de la jeunesse du monde d'assurer la bonne marche du mouvement olympique mondial dans sa voie propre, souvent remise en cause, mais toujours triomphante. Le drapeau qu'ils emportent avec eux ce soir est le signe historique et victorieux de plusieurs Olympiades. Les circonstances exceptionnelles dans lesquelles je le leur confie en ce moment en font un symbole textile de la flamme olympique qui refusera toujours de se laisser mourir. Nous allons maintenant assister pendant 3 minutes sur l'écran là-bas à une reproduction, un extrait de l'inauguration des Jeux et vous verrez l'extrait qui a été choisi. Thank you.
J'invite maintenant Sandra et Stéphane de bien vouloir monter cet escalier et aller prendre possession du drapeau et le redescendre. Sandra et Stéphane, je vous remets maintenant ce drapeau avec mission de le remettre au président Lord Killannon avec la lettre dont je vais lire le texte. Monsieur le Président, il m'est agréable de vous présenter les porteurs de cette lettre, Sandra Anderson de Toronto et Stéphane Préfontaine de Montréal, qui en 1976, à l'inauguration des Jeux olympiques de Montréal, ont porté la flamme dans le stade et ont allumé le flambeau des Jeux. Aujourd'hui, le 17 juillet 1980, en présence de personnalités du COJO 76, de l'Association olympique canadienne, des conseillers municipaux et autres invités, ainsi que des médias, j'ai remis à Sandra et à Stéphane le drapeau olympique officiel qui était exposé dans l'ordre d'honneur de l'Hôtel de Ville
au-dessus de la porte d'entrée de la salle du conseil municipal durant toute l'Olympiade montréalaise. Je leur confie ce drapeau en leur titre de représentant de la ville de Montréal pour qu'ils vous le remettent en main propre au cours de la cérémonie officielle des Jeux de la 22e Olympiade, samedi le 19 juillet 1980 à Moscou, à toute fin prévue à l'article 64 de la Charte olympique et conformément à votre message télexé du 2 juillet 1980. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, pour vous-même et pour tous les membres du Comité international olympique, au nom de tous mes concitoyens de Montréal, du Québec et du Canada tout entier, l'expression de nos sentiments de gratitude. J'ajoute aussi l'assurance de nos vœux les plus ardents pour la poursuite heureuse de l'idéal olympique à travers les siècles. Nous allons maintenant entendre une dernière séquence sonore de la merveilleuse musique d'André Mathieu en 1976. Le chant de l'adieu. Toute bonne chose, le verre de l'amitié.